Voilà, les pervers de Pamela à découvrir comme tous les vendredis soirs. Une voix sensuelle. Ouais. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Ouais, ça monte là, ouais. C'est Pamela sur Skyrock. Et oui, c'est Pamela qu'on retrouve tout de suite sur Skyrock. Elle est là, elle est belle, et les pervers sont encore plus séduisants que Pamela. Je l'espère en tout cas. Bah, ça va être difficile d'être à mon niveau. Comme chaque semaine, on va voir donc les messages qui ont été laissés sur le répondeur de Pamela. Toutes les semaines, on récupère les messages de Pamela. Voici le premier de cette semaine, et puis tout à l'heure il faudra les draguer avant minuit, hein. Oui. Les draguer, les séduire, c'est le défi de Pamela tous les vendredis. Allez, on commence par le premier, on va voir si on a du lourd ce soir. Bonjour, j'appelle la petite à la queue. Voilà, je suis à ton 17,89. Dit le mec. Mais pas grand chose, mais bon. Voilà. Le mec est tellement excité. On entend la queue. Il attend une femme qui aime bien la queue. Bonjour, j'attends une femme qui aime bien la queue. Voilà, je suis ton fils. Voilà. Je crois qu'on a réussi à noter son numéro de téléphone parce que c'est pas difficile à comprendre. C'est donc le premier, mais c'est bon, on a confirmation. Il y a du lourd et il y a du beau gosse ce soir. Les filles, j'imagine que vous êtes très excitées. Ah, évidemment. Très, très, très excitées avec le premier. La suite, c'est qui? Oui, salope de 1m77, 83 kg, trop du cul bien ouvert, bon, je serais gourmande. Elle m'avait arrêté par SMS au début, au 06. Même la vulgarité. Avec le trou du cul bien ouvert. Hey, voilà. Salope. Vulgarité. Voix qu'il a, le trou du cul ouvert. C'est clair. Il donne envie. Tout pour passer un bon week-end. Ouais, bah, tu m'étonnes. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Avec ça, t'es servi. Ouais, je ne veux pas mec. Que tu t'en ressortes du week-end. Il arrive, le mec a le trou du cul, mais béant. Ah, c'est ça. Il l'a bien ouvert avant que tu arrives. Béant. Il est accueillant, c'est les portes. Il te dit bonjour, salut, sale pute. Oh, super. Génial. Voilà, vulgaire et trou du cul ouvert. Alors, on le garde, Alain. On aura peut-être au téléphone tout à l'heure. Allez, un autre. Oui. Bonjour, 63 ans de Bourgogne. 63 ans, il a. Putain, j'espère que je serai pas comme ça, 63 ah ouais, ans. C'est clair. Il a pris cher, ouais. Et ah ouais. Il est bourguignon, Romano. Ouais. Alors attendez, on va finir quand même. C'est la famille. Si, la famille. Attention. Oui, bonjour, 63 ans de Bourgogne. Je aime très bien faire l'amour et manger une belle petite chatte. Soit gros, soit petit, je m'en fous, j'adore ça. Vous faites les chattes. Donc, vous pouvez me joindre au 06-89. Les mecs sont tellement excités. À bientôt. Ah, il n'y a pas fini. Les mecs sont tellement excités qu'on ne comprend absolument rien de ce qu'ils disent. Ah, mais il est bourguignon aussi. Oui, il parle le patois bourguignon. Ah, il parle, oui, il parle le patois bourguignon. Ouais, et puis il a plus de dents aussi. Oui, j'ai cru. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas évident. Essaye donc de parler sans dents. C'est pas le seul de ses problèmes, le patois bourguignon, là. Donc, le troisième, il est bien aussi. On garde tout, là, pour l'instant. Ah, ouais, sélectionné. Il n'y a pas de déchets, là. Ah, oui, c'est super. C'est bien, Pamela. Allez, un autre. Il s'appelle Didier. Ouais, salut, je m'appelle Didier, célibataire. Alors, mon numéro de téléphone est le 06-18. À vous jouer, les filles, je vous attends. Plein de charme, plein de texto, et surtout. Surtout. Plein d'amour au téléphone. Allez. Il aime le sexe, surtout l'amour au téléphone. Voilà. Eh, beau gosse, Didier. Il est vif. Ah ouais, grave. Il est beau gosse. Ah, beau gosse. À vous de jouer, les filles. Ouais. Comment ne passer à côté d'une offre exceptionnelle aussi? Ah ouais. C'est magique. Ah, à vous de jouer, à vous de jouer. Ah ouais, là, c'est magique. Elles doivent, elles doivent se battre pour le joueur. Ah, oui. Vivement qu'on l'appelle. J'espère que ça sera pas occupé tellement il y a de demandes. J'espère qu'on arrivera à le joindre. Didier, donc, la suite. Bonjour, petit cochon cherche petite cochonne pour cochonnerie dans l'après-midi pour matinée. Appelez-moi au 06-63-50 pour un petit cochon qui cherche une petite cochonne. Ah bah t'as vu. Une grosse cochonne, pas mélange. Voilà, moi je suis un gros porc. Voilà. Ouais, bah grave. Trouver quelqu'un qui a les mêmes fantasmes que toi. Un partenaire. C'est gratuit. Petit cochon cherche petite cochonne. Oh, ouais. Les petites cochons. Vous avez de la chance, les filles. Je le dis souvent, hein, parce que nous, les mecs, on n'a pas des messages comme ça. Spécialement. Ah non, mais quelle chance. Bah oui, c'est de la chance. Ah ouais, ça, c'est clair. C'est vraiment plus que de la chance, même. Bon, la suite, c'est qui? Il y a du monde, hein, quand même, hein, ce soir. Il y a Jean aussi. On est sur les pervers de Pamela. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Jean? Jean, à Paris, reçoit femme tentée par un massage anal. 0, 0, 0, c'est sympa 35. Comme massage.
Est-ce que tu as envie de te faire faire un massage anal, Marie? Peut-être pas par lui. Tu vas au salon de massage, tu demandes un massage thaïlandais. Un massage anal. Non, mais peut-être pas par lui, tu vois, au niveau c'est de la voix. Bon. Et son massage c'est anal. Janot, quoi. Un Janot, ah, pas mal, Janot. Ah ouais. Au début, tu te dis, bon, ça, lui, ça va à peu près. Non, pas du tout. Non, 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 absolument pas. Ouais, jusqu'à massage, ça va. Après, il y a anal. Bon, ouais, c'est là où ça bloque un peu. Exactement. Un massage anal. Ça peut être sympa à découvrir. Découvrir un massage anal. Et Laurent? Bonjour, moi c'est Laurent, j'ai 29 ans. Ah là, vous étiez normal, lui. Hein. Ouais, après 29 ans, je suis pas sûr. Après la brochette qu'on a eue depuis tout à l'heure, tu te dis, lui, Laurent. Ouais, lui, ça, quoi, le là, début là. Est ça à va. Peu près normal. Ouais. Ouais. Bonjour, moi c'est Laurent, j'ai 29 ans. Je recherche une femme pour une relation sérieuse. Ah, très bien. Ah, vous avez vu jusqu'ici, tout va bien. Ah, ouais, c'est clair. Merci de me contacter au 04 63. Si je suis pas disponible, merci de me laisser un message. À bientôt. Et ben voilà. Ben voilà. On en a trouvé un qui est à peu près normal. Ben ouais, c'est vrai, c'est dingue. Bon, on l'appellera pas lui. Mais on y en a un. On va prendre un dernier pour voir ce que ça donne. Sportif Xavier, il est très bien foutu. Cherche complice. Bon, de bons plans très très intimes, très chaud, très sexe. Plan triolisme, bienvenue, échangisme. Oula. 06 28 67. Voilà. Bon, mais on termine en beauté, on termine avec une partie. C'est beau, franchement. Ouais, bon programme. Pour terminer, vous avez vu, on a un beau programme ce soir. Et tout à l'heure, on les appelle. Et oui, on les appelle. Enfin, Pamela les appelle pour les séduire. Avec plaisir. Les pervers, il y en a d'autres qu'on va draguer aussi sur les réseaux ce soir. Et on récupère tout le monde et retrouve nos pervers d'ici minuit sur Skyrock. Le clash de la drague arrive. Ah oui, on en avait parlé. Clash de la drague avec Cédric. L'histoire des tocs, la suite. Et puis, Radio Libre, évidemment, pour toute cette soirée de vendredi soir sur Skyrock et au Nymphoman. Ah, c'est bien. Les garçons Nymphoman. Parfait. On va peut-être défiler. C'est chaud de la bite. Ah, ouais. Allez, c'est chaud ce soir. C'est Radio Libre jusqu'à minuit. Radio Libre. 21h minuit. What the fuck? Seulement sur Skyrock. Et on va revenir au problème pendant l'amour. Et oui, beaucoup d'amour ce soir. Vous avez entendu les pervers de Pamela il y a un instant, ils étaient super. Ah oui, j'ai envie d'amour. Et ben, il y a de l'amour et du sexe aussi. Et bien justement, les derniers problèmes que vous avez eu pendant que vous faisiez l'amour, on en parle ce soir dans la Radio Libre. On aura Siraflex avec nous qui veut nous parler d'un petit problème. Et puis Jam qui a vécu la même chose que Julien. Julien, en fait, il est nymphomane. Ouais, il est chaud de la bite. C'est un garçon nymphomane, il est obligé de baiser tout le temps. Très chaud. Ils sont chauds aussi, vous êtes chaud Cédric Romano. Ah ouais, ça va être chaud bébé. Qu'est-ce que ça te fait quand t'es chaud Cédric? Tu veux venir voir? Non, je veux juste savoir. T'es vraiment chaud là. Ah oui. Ouais, je sais pas, j'ai plus la transpi. Non, je peux pas la transpi, tu vois, mais. Quand t'es chaud, tu peux la transpi. Ça donne envie, je suis bouillant quoi, tu vois. Voilà, je sens fort des organes. C'est ça. Toi Romano, ça te fait quoi quand t'es chaud? Bah je bande, hein. Tu bandes. Voilà, elle est toute raide. Très bien. Bon. On va s'occuper du TOC. Alors je sais pas si c'est un TOC ou comment on peut appeler ça. TikTok. Du problème de Kevin. Alors Kevin, pour résumer, toi t'es obligé de savoir à tous les endroits où tu vas. Hein, t'es obligé de savoir où sont les toilettes. C'est marrant ça. Où sont les toilettes? Si vous aussi vous avez l'impression que vous êtes bizarre par rapport aux autres, vous pouvez nous envoyer vos messages, vous pouvez témoigner, vous pouvez nous dire comme Kevin. Alors je voudrais te rassurer Kevin parce que t'es pas tout seul. C'est le critère pour les gars. Il y a Sam, c'est une fille Sam qui a 20 ans et qui nous dit qu'elle est comme toi. Moi aussi, j'ai la même phobie. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui est comme toi. Je pensais que j'étais seul au monde. Ouais, bah. Eh bien, non, Sam. Eh bien, vous n'êtes pas seul au monde. Montez un club. Sam et Kevin, vous voyez, un garçon, une fille. Bon, on en reparle dans un instant avec toi, Kevin. Mais ce que disait Marie, ce qui est quand même assez rassurant, c'est qu'il y a des toilettes à peu près partout. Oui, ouais. Voilà, ça, c'est quand même un avantage. Les toilettes, ça manque pas. Donc, ouais, mais si c'est occupé. Si c'est occupé, je t'ai dit, il y a le lavabo. Mais si c'est dans le tram ou dans le métro ou quoi, tu te fais une frayeur quand même. Il y a plus de cendriers maintenant, merde. Ouais, une à l'époque, il y avait des cendriers, tu pouvais chier dedans. Ah, mais c'était petit, quand même. C'est pour un petit caca, oui. Parce que bon. C'est vrai que Cédric, ça rentre pas dedans. Hein. Une poubelle. Pour ouais, les poubelles, ouais. Les poubelles vertes, vous savez. Voilà, tu peux. Ouais, les belles. Oh là, je me mets dedans, je vais la remplir. En une fois. Donc, il y a toujours des solutions pour toi, Kevin. Mais bon, racontez-nous, dites-nous, et on en reparle avec vous. Ouais. On va retrouver le clash de la drague dans un instant. On est prêt pour le clash de la drague. Ah ouais, je suis chaud. Et dans un instant, donc le clash. Et ah oui, je vous avais promis, il y a Jam qui nous attend. Et on a aussi Siraflex qui est au téléphone avec nous pour réagir sur les nymphomanes et les problèmes qu'on a eu pendant le sexe aussi. Et là, Siraflex. Salut Siraflex. Allô. Comment vas-tu? Oui,
Bah écoute, ça va bien, c'est Reflex, sois le bienvenu. Il y a Jam qui est en ligne avec nous également, en direct du 94. Salut à toi, Jam. Je vais mettre à l'antenne, man. Ah, j'ai pas mis à l'antenne. Salut à toi, Jam. Salut, salut, je suis là. Bah, ça tombe bien. Salut, Jam. On te cherchait, salut, Jam. Salut tout le monde. Salut toute l'équipe. Et salut à toi. Salut. Coucou. T'es où dans le 9-4, Jam? Je suis à Champigny. À Champigny. Tiens, t'appelais pour réagir par rapport à ce que nous disait Yana.